Allez, ça va bientôt. Oui, ça va bientôt partir. Ça va bientôt partir. Là, contrairement aux voitures, on vous le disait tout à l'heure, il n'y a pas de drapeau jaune. Hein. C'est direct le départ. On ne protège pas le premier virage. Ils peuvent se percuter. Voilà, c'est chacun pour soi. Allez, c'est parti. Alors, qui va faire le whole shot? Mais c'est Gonnet. Non, c'est Pierre Moine. Non, c'est Gonnet. Attends, c'est Moine qui fait le whole shot. Allez, j'y offre. Il a tapé. Il a été un peu gourmand. Il est deuxième. Ce qu'il fait Pierre Moine, c'est bien. C'est hallucinant. Et il est là. Et 3 et Kevin Malishka. Ah, on a une chute. Bon, sans gravité, mais chute dans le centre du peloton et pas à l'arrière du peloton, comme on a l'habitude de dire. Attention, là, Vivien Gonnet déjà. Alors, ouais, c'est reparti. Vivien Gonnet a déjà 5 longueurs d'avance sur la concurrence. C'est ça. Je suis pressé, là, j'ai un rancard, les gars. Allez, donc, deuxième, Pierre Moine, Joffre, Malish. On a eu une belle bagarre tout à l'heure, Joffre, Moine. Hein. Ah non. On va peut-être avoir là, une nouvelle Noël Duvert, on a quasiment les mêmes là devant. Hein. Il est bien Noël aussi, avec Moine, Kevin Malige, Romain Gioffre. Voilà, et par contre, une seconde et demie déjà d'avance pour Vivien Gonnet sur Moine. Malige, Gioffre, Duvert, Véronèse, Roche, Montgarny, Parseillan, Brancy, Coton, Reynaud, Cartier, Vanchang, Montgarny, l'autre le plus jeune, Agoguet. Et c'est Grégoire qui a dû tomber, parce qu'il passe en dernier là sur la ligne de chronométrage. C'est Grégoire Martinez qui a dû tomber dans le virage. Il est vite reparti avec son numéro 29 et sa KTM. On va surveiller peut-être la remontée de Grégoire Martinez. Et la grosse bagarre hein, pour la troisième place. On a Gonnet devant, Moine, regarde derrière. Là. On a Gonnet devant, ça c'est vachement rare hein, quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a Gonnet devant. Non, mais on va lui mettre 20 kilos là, on ira s'acheter un sac de ciment et puis on va l'attacher sur la moto. C'est incroyable. Allez, Romain Gioffre avec les Kevin Malige, c'est chaud. Hein. Il est 4 hein. Et Pierre Moine. Bon, il a 2 secondes quand même, mais il est toujours 2. Hein. Ouais, toujours. Hein. Première course, on vous le redit, c'est incroyable. Première course sur la glace, il est là. Ensuite, on a Kevin Malige, Gioffre, Duvert, Véronèse, ça n'a pas changé. Et par contre, 2 secondes 2 maintenant pour Vivien Gonnet. Si ça continue, il va terminer la manche avec 10 secondes d'avance. Quoi. Ah oui, oui. On a un super Kevin Malige. Hein. Ah oui, vraiment, c'est bien. Là, il est à l'aise. C'est bien ce qu'il fait. Romain Gioffre, qui a du mal hein, à suivre derrière. Bah, il était deuxième hier, l'année dernière, Romain Gioffre. Ici, Vivien Gonnet avait gagné comme d'habitude. Gioffre était deuxième et Joanne Nigon, qu'on avait tout à l'heure avec nous, là, qu'on retrouvera du côté d'Isola 2000, avait terminé la troisième place. Allez, ça attaque. Allez, nouveau passage sur la ligne de chrono. Alors, est-ce qu'il va augmenter son avance, Julien Gonnet? Pour l'instant, il y avait 2 secondes 2 sur Pierre Moine. Et bien, là, il y a 2 secondes 8. 2 secondes. Kevin Malige est toujours là. Romain Gioffre est toujours là. Il est à 6 dixièmes, Romain Gioffre de Malige. Hein. Regarde, c'est chaud. Hein. Ouais. Et ça passe à droite, à gauche. Par contre, ça favorise Pierre Moine, puisque la bagarre entre Malige et Gioffre est en train de favoriser Pierre Moine, qui peut se concentrer sur sa deuxième place. Ouais. Oh, ça serait quand même magique. Hein, excellent. Ouais. Là, ça serait quand même magique. Ah, Malige aussi, il est la moto. Il est réaccélère. Pourtant, Romain Gioffre, c'est quand même pas en accélération sortie de virage. C'est quand même un top pilote, mais là, il a du mal. Ah, c'est Jux Varmin quand même. Allez, voilà, l'extérieur, Romain. Allez, qu'est-ce qu'il va faire tenter l'intérieur. Il va essayer, Romain. Là, il va essayer de décroiser, Romain. C'est chaud, là. Hein. Ah, oui, mais puis elle marche, la moto de Malige. Bah, oui, la 4,5, elle marche. Hein. Bah, oui. Allez, ça rattaque à l'extérieur. Alors, écart stabilisé. Non, ça passe pas. Écart stabilisé entre le premier et le deuxième, entre Vivien Gonnet et Pierre Moine. Il y a 2 secondes 9. Hein, ouais. Et puis derrière, 5 secondes et 5 secondes 4 pour les 3e et 4e. Ouais. Et comme il n'y a que 6 tours, on est déjà à 2 tours de l'arrivée. Hein. Ah mince, ouais, déjà. Ça passe vite. Ah, c'est rapide. Hein. 6 tours, ça va très vite, tu vois, regarde. Ouais. Allez, toujours Grosbourg pour la 3e place, c'est chaud. Hein. Ah ouais, ça tape dans les murs de neige. Ça tape dans les murs de neige et pendant ce temps-là, il y en a un qui se frise la moustache et peut tranquillement se concentrer sur cette trajectoire. Regarde, c'est Vivien Gonnet, le voilà Vivien Gonnet sur la ligne. Dernier tour. À l'instant même, il passe pour son dernier tour. Ouais. Oh, l'attaque entre Gioffre et Malige, c'est exceptionnel. Hein. Et ça se recroise dans la ligne droite. Il a encore pris une seconde et demie à tout le monde sur ce tour, c'est incroyable. Il est au-dessus du lot. Pierre Moine, Perman toujours là. Malige qui résiste toujours à Gioffre. L'écart est le même. Et puis on a toujours cette bagarre là, dans le ventre mou avec Duvert, Véronèse, Roche, Brancy, Montgarny. Montgarny, une bonne Jonath avec l'électrique, super résultat. Hein. Premier pilote, alors qu'il est malade, il a la grippe. Il est malade en plus. 9e. Il est 9e pour l'instant avec la Starbuck électrique. Hugo Roche aussi, 7e. Hein. Ah, c'est bien, Hugo. Véronèse aussi. Ah, bon sang, ne saurait mentir. N'est-ce pas, Alex ? Allez. Salut si tu nous écoutes, Alexandre. Et drapeau à Damien, voilà. Et voilà, le vainqueur. Bon, vainqueur première finale, Gonnet. Vainqueur deuxième finale, Gonnet.
Par contre, super course de Malige. Ah ouais, et Moine aussi. Ouais, exceptionnel. Ouais. Moine deuxième, Malige 3, Geoff 4. Et Geoff, il a un peu plus de mal. Hein, ouais. Ça allait mieux au début. Noël Duvert, c'est chaud aussi. Hein. Ah ouais, mais il va y aller. Super il va y aller. Bagarre, ouais. Ouais, c'est bon. Cinquième place pour Noël Duvert. Avec Anthony Véronèse, c'était chaud là. Hugo Roche, bien septième. Ouais. Franck Brancy. Alors, est-ce que mon Garni a gardé? Eh ben oui. Jonathan, ouais, génial, Jonathan. Super. Devant Parseillan, Renault, Coton. Ouais, super. Loïc Cartier, Yvan Van Schang, aussi pilote de d'asphalte. Hein, donc, c'est bien ce qu'il fait. Et Grégoire Martinez, donc, qui a chuté. Alors qu'il était, il partait de la troisième ligne, et ben, il a chuté. Il se retrouve 15e.